de nos activités principales chez Rotor, c'est d'assister des maîtrises d'ouvrage publics ou privés à intégrer la démarche d'économie circulaire dans leurs projets. En particulier, la démarche du réemploi, donc de voir le potentiel de réemploi des éléments qui sont constitutifs d'un bâtiment qu'on va transformer. Donc ici, en l'occurrence, il va y avoir des grosses transformations, la démolition des 5 tours et le réaménagement des abords. Nous sommes en train d'effectuer aujourd'hui un inventaire des matériaux réutilisables. Donc on a identifié plusieurs grandes familles de matériaux réutilisables, en l'occurrence des tablettes en marbre, des radiateurs, des lavabos, des portes, des luminaires. Et au niveau des abords, presque les trois quarts des revêtements de sol vont pouvoir aussi être réutilisés. Va être en partie réintégré dans le nouveau projet, et s'ils ne peuvent pas réintégrer le projet, comment pouvoir les remettre en circulation ailleurs. Un autre exemple d'éléments qu'on va récupérer au sein des tours sont les châssis en acier. Donc les châssis vont être démontés, nettoyés, remis en peinture et remis dans le nouveau projet en tant que loggia climatique.